allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un haul Vinted. Il va y avoir quelques petits changements sur ma chaîne ces prochains mois, temps, années. J'ai décidé de ne plus rien acheter de neuf parce que je trouve que c'est un petit peu de l'argent dépensé pour rien alors qu'on peut trouver des choses, je vous assure, sur Vinted, dit d'occasion entre guillemets, avec encore l'étiquette, avec encore le prix, donc pourquoi acheter en magasin, tout ça, alors qu'on peut trouver sur Vinted. J'avais besoin de fond de teint, j'allais l'acheter chez Sephora à 39€, je me suis dit cherche quand même sur Vinted, je l'ai trouvé à 22€, neuf, encore, vous savez, il y avait encore le plastique sur l'emballage. En fait, elle s'est trompée de teinte et elle avait perdu le ticket de caisse, donc elle n'a pas pu le ramener. Donc ça me fait quand même, je vous dirais, 17€ d'économie. Et j'ai trouvé de ces pépites. Donc comme je vends beaucoup de choses d'Océane qui lui sont trop petits, parce que vous le savez, si vous avez des enfants, ils poussent comme des champignons. Donc j'ai acheté des fringues qu'elle a jamais mis, ou peut-être mis une fois, et qui ne lui vont plus parce qu'elle a poussé. Mais elle a pris genre 5 cm, enfin bref, des trucs que j'avais achetés qu'elle a même pas eu le temps de mettre. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos parce que j'ai vidé mes tiroirs, mon armoire, celle d'Océane et je continue à vider. Au fur et à mesure, tous les jours, elle met quelque chose de nouveau. Si ça lui va pas, je mets de côté pour vendre sur Vinted. Pareil, des jouets, enfin bref, Donc je vais prendre mon téléphone pour vous dire les prix. C'est bon, je suis armée de mon téléphone. Alors, on va commencer. Donc on va commencer tout de suite avec un jean pour Océane. Donc c'est un EDC de la marque Esprit. Donc c'est un jean comme ça, c'est un taille 164, donc 16 ans. Je l'ai reçu bien sûr, je l'ai lavé, mais il sentait déjà la lessive. Je sais pas, c'est peut-être une touquette, mais je l'ai relavé, même s'il sentait bon la lessive, bref. Elle ne l'a pas encore essayé, parce que j'ai reçu plein de fringues d'un coup en fait, puis le temps que je les lave, tout ça. Donc là vous avez le petit tange, franchement je l'ai payé 2€. Je crois que la personne fait un petit peu comme moi, achète des fringues à sa fille, et elle n'a pas, le temps de les mettre, parce que bah, ça grandit direct. Donc là vous avez la petite étiquette EDC base et Esprit. Franchement pour le prix, top. Et puis je vous dirais qu'elle va l'essayer soir parce que c'est enfin sec. Si ça lui va pas, eh ben ça sera sur mon Vinted. Bien entendu, vous aurez le lien en barre d'infos. Ensuite, je lui ai pris, parce qu'elle adore Hello Kitty, elle a toujours aimé Hello Kitty, donc je lui ai pris ce petit t-shirt noir taille S. Bah, il taille un petit peu petit par contre, donc j'ai bien fait de prendre taille S. Et Hello Kitty, c'est un petit lapin. Franchement, dit d'occasion, on dirait qu'il est neuf. Il n'a même pas été lavé, je pense, vu l'état de l'étiquette, rien du tout. Donc super top, donc il est comme ça. Je l'ai payé 2€ pour vous dire pourquoi acheter à 15 balles. Alors vous pouvez trouver, regardez-moi cet état de ouf. Donc 2€, pareil. Donc pareil, je sais pas pourquoi, dès que je reçois des fringues, je les lave, même quand je les achète en magasin de toute façon. Elle va l'essayer ce soir, c'est en fin sec. Si ça lui est trop petit, pareil, vous le retrouverez sur mon Vinted. Ensuite, je lui ai pris une veste comme ça, parce que madame, c'est la reine pour péter les fermetures éclairs des doudounes. Rappelez-vous, je vous avais fait un haul, je crois, où j'avais trouvé une doudoune caporal bleue en solde, mais l'année dernière, 18€, quelque chose comme ça. Elle a pété la fermeture, donc j'ai voulu racheter une fermeture éclair. La fermeture à elle toute seule, vu la grandeur du manteau, faisait 18 balles, le prix de la doudoune, vous voyez. Donc bah là, je l'ai mis en vente à quelqu'un qui est bon en couture, vraiment pas cher. Donc j'ai acheté, c'est un pull doudoune, vous voyez, parce qu'elle adore les capuches avec des oreilles, tout ça. C'est un petit peu de ma faute. Donc comme ça, en super pilou-pilou qui tient chaud, vous allez rire. Donc c'est la marque Lola Elisa, j'ai payé 2,50€. Donc déjà lavé au moins 10 fois, séché 10 fois, elle adore cette doudoune. Et pourquoi je l'ai achetée? Parce que c'est une fermeture de dingue et elle ne pourra pas la péter. Donc c'est une taille 36 que je lui ai pris, mais c'est fait exprès parce qu'en fait elle met, enfin elle s'habille et ça c'est en fait c'est son manteau. Et je l'ai essayé, je peux vous assurer que ça tient bien chaud. Et elle le kiffe encore plus parce que là en fait, vous avez un trou pour mettre le pouce. Et c'est trop la classe comme elle dit, voyez. Donc voilà, pas cher du tout non plus. Il sentait bon la lessive quand j'ai reçu, mais oui, je l'ai quand même relavé. On va passer un petit peu à moi. Ne rêvez pas, vous ne verrez pas porter. Donc je me suis acheté des maillots. Donc j'ai pris, c'est un maillot deux pièces pour les vacances cet été. Donc un maillot comme ça, c'est de la marque Billabong. Franchement, elle marquait d'occasion. J'ai un réel doute qu'elle l'ait porté. Parce que vous savez, ça sentait... Comment vous dire? Vous savez quand vous achetez les maillots, là, ça sent un petit peu le plastique. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu. Ça sentait pareil.
J'ai pas l'impression qu'il a été porté et lavé. Donc le haut, c'est comme ça. Et donc le maillot, je l'ai pas payé cher du tout non plus. Donc le petit maillot là, je l'ai payé 3,50€. Franchement, je l'ai lavé, ils ont pas décoloré, rien. Mais je vous assure, regardez, si elle l'avait mis à la piscine, je me dis qu'au moins là, la broderie Billabong, vous savez, elle aurait décoloré. Rien du tout, rien du tout. Ça sent, vous savez, cette odeur genre plastique quand vous achetez des maillots. Je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc 3,50€. J'ai acheté un deuxième maillot. Alors attendez, il faut que je refasse le nœud parce que je l'ai lavé forcément. Alors celui-là, c'est mon préféré. J'ai eu vraiment... Alors c'est bizarre, mais sur la photo, j'ai eu le coup de cœur pour l'autre. Et en l'essayant, quand je l'ai reçu, c'est pour celui-ci où j'ai vraiment... Je pense que c'est celui-là cet été que je vais mettre le plus en vacances. Hop, j'ai fait le petit nœud. Donc, il est comme ceci. Il a un petit peu effet cuir. Donc, c'est un rip curl. Il est comme ça, un petit peu effet cuir. Donc, pareil, je me demande vraiment s'il a été porté. Regardez. Pareil, il sentait, vous savez, les maillots plastiques, là. Enfin, ça sentait le neuf. Il n'y a pas de fil, rien. Donc, 3,50€. Et le soutien-gorge qui va avec. Vous me dites que oui, c'est petit, mais je fais du 34-36 en pantalon. Donc en maillot, forcément. Et donc le haut est comme ça, avec le petit insigne Rip Curl. 3,50€. Ensuite, forcément, pour les vacances, il faut des shorts. Donc je me suis acheté comme ça un petit short Levi's avec les petites déchirures sur le bas. Il y est d'occasion, hein, bien sûr, bien entendu. Hein, mais franchement, on ne le dirait pas. C'est un 570. Donc il est comme ça, il m'a coûté 4€, franchement, il me taille super bien. Je l'ai lavé, franchement top, je suis bien contente. Puis pour le prix, regardez, pour les vacances, ça va amplement. Ensuite, alors là, j'ai été bluffée, mais vraiment bluffée. Comme vous le savez, Océane grandit comme un champignon. Et j'ai voulu l'habiller pendant les soldes. Comment vous dire que j'ai mis, je crois, 4 t-shirts, 2 pulls et un pantalon. J'en avais presque pour 50 balles. Puis je me suis dit, putain, ça me fait chier 50 balles. En plus, j'ai une grosse facture d'EDF. Enfin, rappel, vous savez, les factures à ma date, là. Bref, je me suis dit, putain, 50 balles. Et donc, je suis allée sur Vinted et j'ai trouvé de ces pépites. Mais de ces pépites... Donc je lui ai trouvé un jean comme ça de la marque Esprit de Nîmes. Donc je vous dis pas de bêtises mais c'est un 15-14 ans. Je vais vous dire ça, j'ai un petit doute. 14-15 ans, attendez. Ah voilà, 14-16 ans. Donc il est noir, il est comme ça. Franchement, la vintage qu'il vantait, ça sent la lessive, ça a été repassé. Alors sur ce coup là, je vous dirais que non, je vais pas le laver. Franchement, l'état, je crois qu'il a jamais été porté, quoi. Mais je ne pense pas, parce que l'étiquette... Là, regardez, l'étiquette est même pas décolorée. Enfin, bref. Et quand je vais vous dire le prix de ce pantalon... Donc, le pantalon... 5€. Oui, 5€. Ensuite, je lui ai pris comme ça un pull, parce que je lui ai montré... Enfin, moi, j'ai adoré, déjà, puis elle a adoré. Elle est en plein dans les licornes, les Barbie. Donc je lui ai pris un pull comme ça, donc vous avez des chiens, des roses, des licornes, des bouches, des nuages. Donc il est comme ça, c'est un taille M et je vous dirais que ça taille très très petit. Ça se voit direct, donc elle pour un 16-17 ans ça ira. Là vous avez d'autres dessins derrière. Et donc cette merveille est à 3€, juste parfait quoi. Regardez, elle va adorer. Je vous assure, sur cette commande là, franchement je me demande vraiment s'ils ont été portés. Regardez. Non, vous savez, quand vous lavez un t-shirt un petit peu imprimé, au fil des lavages ça se craque, au fil que vous étendez le linge, s'il fait chaud, pas chaud. Je vous assure, regardez l'état. Mais c'est juste ouf. Bref, et donc c'est une taille, je vous dirais, 14 ans. Franchement, elle va adorer. Elle adore tout ce qui est sur les t-shirts, les lapins, les chiens, bref. Et donc le t-shirt, 1,50€. Ensuite, celui-là, c'était son préféré quand je le lui ai montré. Il vient de chez, c'est la marque H&M, avec le petit lapin. Parce qu'en fait, elle veut un coco lapin, mais je lui explique que non. Parce que c'est maman qui va s'en occuper de coco lapin. Et on va pas oublier que j'ai 7 chats, donc je ne suis pas sûre que Coco Lapin vive longtemps. Pas de Coco Lapin. Donc à la place, je lui achète des t-shirts avec des Coco Lapins. Donc voilà la taille. Alors c'est la marque H&M. Et comme je sais que la taille H&M taille grand, j'y ai pris du 14 ans, donc 1,50€. Je lui ai pris ce gilet gris tout simple, parce que ça sert toujours les gilets. Et donc c'est de la marque Charles Vogel. C'est un 16 ans. Donc il est gris avec des petits pois et des poches de chaque côté. Je vais vous dire le prix.
Il fait 3 euros. Oui, je lui ai acheté plein de fringues parce que j'en ai vendu pas mal, j'en ai encore à vendre. Donc ensuite, vous le savez, elle adore Hello Kitty. Donc je lui ai pris un t-shirt en manches courtes, taille 16 ans, 1 euro. Il est tout noir, tout simple, tout ça. Je lui ai pris Hello Kitty. Ah non, c'est pas celui-là Hello Kitty. Bon, c'est un chien, c'est pareil. Donc le petit chien là, donc il est avec des... C'est pas des strass, enfin c'est pas vraiment des strass, vous voyez. Donc c'est une taille 16 ans, 1 euro. Je lui ai pris... Ah, il est là, l'Hello Kitty. C'était son préféré, celui-là. Donc il est comme ça, c'est Hello Kitty avec des petits boutons sur le devant. C'est une... Alors, j'ai demandé à la dame, elle m'a dit que c'est marqué 34-36, mais que ça taillait petit. Et je vous dirais qu'en le voyant là, oui, je dirais que c'est un 16 ans. Parce que moi, 34-36, je rentre pas là-dedans. 1 euro. Je lui ai pris... Oui, j'en ai pris plein à 1 euro. Je lui ai pris celui-ci parce qu'en fait, elle a dit que c'était Lolita sur le t-shirt. Si vous suivez mon compte Instagram, vous savez, Lolita, c'est un de mes chats bleus que vous voyez gris. Et elle m'a dit, ah, c'est Lolita. Donc, bah, je l'ai pris. 1 euro, hein, 14-16 ans. Franchement, l'état est top. Je lui ai pris un autre gilet rose. C'est de... Alors, attendez, je regarde la taille. 16 ans. Donc, il est comme ça. Hop. Il est comme ça, à capuche, avec des petites poches. Je l'ai payé... Alors à la base il était à 2 euros, hop, mais en fait elle m'a fait un petit prix parce qu'il s'est avéré qu'il y avait un minuscule trou. Mais écoutez, je trouve pas le trou. Donc au final je l'ai payé beaucoup moins cher et en fait je ne trouve pas le trou. Donc j'ai envoyé un message, j'ai dit vous êtes sûr? Il y a un trou, il me dit oui, c'est un mini trou dans la poche. Je vous assure que le trou, mais il est tellement petit que je l'ai même pas vu. Pourtant, j'inspecte toujours quand je reçois de Vinted. Je dis, ah, mais pour ça, je fais, mais ça se voit pas du tout. Donc voilà, super affaire. Et moi, je me suis... Alors, je vous referai un haul Vinted parce que je n'ai pas tout reçu. Je me suis repris des maillots. J'ai trouvé des chaussures Buffalo, mais vraiment pas chères, à 8,50€. Toutes neuves dans le carton, jamais mise, il y a encore l'étiquette, enfin bref. J'ai trouvé des produits Sanoflore, pareil, tout neuf dans l'emballage, jamais ouvert, le fond de teint. Je me suis fait un petit plaisir pour mon anniversaire, je me suis acheté un sac Michael Kors. Vu tout ce que je vends, vous savez, je laisse dans mon petit porte-monnaie Vinted, ça permet de se faire plaisir sans que ça sorte du compte en banque, je vous dirais. Donc c'est un moyen de se faire plaisir. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 19 février j'aurai 40 ans et je cherchais une jolie petite robe pour ma soirée d'anniversaire des 40 ans. On va faire ça avec des amis, tout ça. Et on m'a dit, il faut juste que tu sois un petit peu classe, tout ça. Ok. Et donc je me voyais pas mettre un prix fou, donc j'avais trouvé une robe cacharène, trop belle. Et je l'ai reçue et en fait j'ai une trop grosse poitrine. Alors j'arrive à la fermer, mais comme j'ai une forte poitrine, en fait ça fait tout écraser, ça fait très laid. Donc je l'ai remis en vente au prix où je l'ai acheté, hein. J'avais acheté 20€. Elle est en laine, elle est de couleur blanc cassé écru. Je la trouve juste superbe, manche courte. Bref, elle est comme ça, elle est de couleur écru. Elle est en vente sur mon Vinted. Au même prix que je l'ai acheté, hein, voilà. Elle arrive pile au-dessus du genou. Elle est légèrement extensible, mais il ne faut pas avoir une poitrine, je vous dirais, au-delà du 90. Parce que... Ou alors 95, mais vraiment les petits bonnets, parce que moi je suis un 95C et j'ai vraiment les nichons aplatis, vous voyez. Donc elle se ferme derrière par un zip et donc... cacharelle. Donc quand je l'ai acheté, la dame m'a dit qu'elle l'avait acheté pour une occasion, qu'elle l'avait porté qu'une seule fois et ça se voit réellement. Voilà, je l'ai reçu, elle sortait du pressing, ça sentait le pressing, enfin bref. Donc moi j'ai juste essayé mais ça va pas, donc je la revends. Franchement super occasion, regardez ça, elle est trop belle. Comme je suis dégoûtée qu'elle maille pas au niveau de la poitrine. Donc voilà, plein de choses. Vous avez des vêtements hommes aussi sur mon Vinted, des vêtements en taille 40 parce que j'ai plein... On me dit, oh, t'as un Vinted, tu veux pas mettre nos fringues? Donc, vous avez du KKS, vous avez du Morgane, enfin, du Camailleux, il y a du Fred Perry, enfin, plein de trucs. Donc, voilà, je vous mets bien sûr le lien de mon Vinted en barre d'infos, au cas où ça vous intéresserait. Il y a pas mal de choses de fringues d'Océane qui se sont vendues. Il faut que je fasse le tri, je le ferai ce week-end parce que j'ai des amis à déménager. Donc je pense que dimanche, il y aura des trucs d'Océane. J'ai mis déjà quelques jeans de chez Cool Cat, tout ça. Et puis moi, il faut que je continue à faire le tri. Là, j'ai mis un maillot undies que je n'ai jamais mis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.